Retour à la normale. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Bien sûr. Tu es à la cinquième place, cinquième. Ricciardo devant. L'écart est de moins d'une seconde. Il chausse des pneus tendres usés. Leclerc est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Notre retard sur la voiture de tête est de 2,1 secondes. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans deux tours. Plus que 10 tours restants.
Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Tu rentres dans ce tour. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Fonce, fonce, tu reprends la course à la sortie. Vas-y, mets les gaz. Casper est au stand, Casper au stand. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Thank you.
À te voir, on croirait presque que c'est facile. Au travail, très bien joué. Il s'agit à présent de rester en tête. Tu es en tête, premier. Hamilton derrière. Il est à moins d'une seconde. Ils ont de nouvelles gommes médium. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 4 tours à effectuer. Il reste 5 tours de carburant. Tu es en première position, tu mènes la course. Hamilton est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 4,4 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Plus que 3 tours, 3 tours.
pilote de derrière ne tient pas la cadence, un écart se forme. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Nous avons près de 4 tours de carburant. Hamilton derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 6,0 secondes. Il chausse des pneus médiums usés. Il chausse des gommes usées depuis 6 tours. Le dernier tour a donné 1,42,6. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Nous avons pu observer de superbes batailles au Paul Ricard aujourd'hui. Quelle magnifique victoire. Un jour comme les autres pour nos trois top teams, mais par contre, il y a eu du changement en milieu de peloton ici en France. C'est bien mieux du côté de Racing Point. J'aimerais les voir se battre comme ça plus souvent. Dans leurs bons jours, ils performent aussi bien que les autres écuries du milieu de plateau. Et ils l'ont clairement prouvé aujourd'hui. Avec son résultat d'aujourd'hui, l'écurie Racing Point prouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur.